Bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de d'HTML. Aujourd'hui, je crois que c'est la séance 6. On va continuer là où on était. On était sur les éléments. Les éléments qui vont nous permettre d'afficher du texte sur notre page HTML. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, Mohamed, Oui, Yamedi. toi, Ok, c'est bon. On va reprendre là où on était. On était sur les éléments HTML. Afficher du texte. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez l'écran de mon ordinateur? Vous voyez le partage de mon écran? Ou bien vous ne voyez pas? Ça partage. Bon. La fois passée, on avait commencé par les éléments bold, italique, superscript, subscript, horizontal line. On s'était arrêté à ici. On avait appris les éléments à partir de l'élément B, bold, jusqu'à HR. On va les revoir rapidement. Faire un petit review. On va revoir l'élément. On va revoir l'élément bold. L'élément B.
Parmi les éléments qu'on a vu le cours passé, il s'agissait de l'élément B. L'élément B veut dire bold. Le B signifie bold et bold veut dire en gras, en français. En gras. Mettre en gras. Mettre en gras. On avait vu ça et il a une balise ouvrante. B, l'élément B, sa balise ouvrante. Balise ouvrante. Et ça, c'est sa balise fermante. Balise fermante. Et le contenu, on met à l'intérieur. B. Mettre un gras. Un gras. Voilà. C'est ça. On va illustrer ça par un exemple. Par exemple, ça, on a un fichier HTML. C'est un fichier HTML. HTML. Et là, on met la balise B, l'élément B. Voilà l'élément B. Et à l'intérieur, on met son contenu, un texte qui va être en gras après. Ce texte est en gras. Et là, vous voyez, on obtient un texte en gras. C'est un texte en gras qu'on obtient en utilisant cette balise. L'autre balise qu'on a vue la fois dernière, il s'agissait de l'élément I. L'élément I, il nous permet de mettre des caractères en italique. C'est comme le B, c'est comme l'élément B, mais au lieu de mettre en gras, l'élément I, mettre en italique. Italique. Mettre en italique. Italic. Et là, ça c'est sa balise ouvrante. On va avoir sa balise fermante ici. Et quand on veut mettre un texte en italique, on met l'ensemble à l'intérieur des balises ouvrantes et fermantes. On met là-bas le texte et le texte va être en italique lorsqu'on exécutera la page HTML. Voilà. On change la balise, on change l'élément en utilisant I. L'élément I, vous voyez, la ligne 7, on a I. La ligne 8, on a le I fermant. La balise I fermante, là c'est la balise.